Alors le premier bilan à chaud qu'on peut tirer de l'université d'été, c'est d'une part une fréquentation assez forte, puisque non seulement la Bretagne s'est mobilisée, mais l'ensemble de la France, si j'ose dire, puisqu'on a accueilli autour de 550 personnes. Par ailleurs, non seulement la fréquentation était au rendez-vous, mais on en tire un bilan plus qualitatif, extrêmement positif, avec la présence de nombreux professionnels soignants et médecins, mais aussi des professionnels du secteur médico-social, des professionnels de la ville, et puis les patients qui ont répondu présent à notre appel. Donc je pense que le thème a correspondu aux attentes des professionnels du système de santé et qu'il a été très mobilisateur. On l'avait déjà perçu au moment des appels à candidature, ça s'est confirmé ce week-end, c'est extrêmement positif. Écoutez, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On va garder un format autour de retours d'expérience, d'ateliers débat et proposer aussi des éléments de prospective. On a réfléchi à un thème qui demande encore à être affiné, mais l'idée c'est de travailler sur les nouveaux métiers de la santé et l'évolution des métiers actuels. Donc je donne rendez-vous à tous les professionnels et aux patients pour se retrouver à Bordeaux les 7 et 8 septembre 2018. À très bientôt.